Et bonjour, bonjour à tous tout le monde, c'est Lucas Certé, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Dragon Ball FighterZ. Donc on était là, on devait sauver l'autre salope de Bulma. Et mon téléphone qui... voilà, donc il nous reste un combat et on y est. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir un peu les personnages ici. Alors, qui est-ce qu'on va prendre maintenant? Non, Son Goku, qu'est-ce que j'ai fait là? Krillin, alors là, Krillin, il peut toujours rêver, il va bien rester sur le banc. Je vais prendre, tu sais quoi? On va laisser la même team. Rien à foutre. On va laisser la même team. Alors, je me demande si je dois pas peut-être changer les techniques et mettre des autres trucs. Je verrai après j'ai quoi. Et je verrai si je change ou pas. Parce que c'est vrai que ce serait bien que j'ai plus de zénith en fait, mais... On verra. Au fait les gars, pourquoi est-ce que vous faites toujours ce que Freezer vous demande? Je ne comprends pas. Je m'attends pas à ce qu'un étranger comme toi puisse comprendre la portée de la splendeur des forces de Freezer. Non sérieusement, vous y gagnez quoi exactement à travailler sous les ordres d'un tyran comme lui? Bon, j'imagine que je peux te le dire, les forces de Freezer n'offrent que le nec plus ultra à ces guerriers. Nous avons une assurance maladie du tonnerre, de l'équipement médical de pointe et des tenues de combat haut de gamme, mais ouais. En plus de tout ça, si on se débrouille bien en combat, on peut obtenir notre propre planète en bonus. Putain. Waouh, je n'ai pas tout bien compris à ce que tu as dit, mais on dirait que ça fait beaucoup. On dirait, mais tu sais, ça semble être plus ou moins ce que reçoit Vegeta, sauf que son équipement est meilleur. Ne me dis pas n'importe quoi. Il n'y a pas d'autre armée sur la planète voisine aussi splendide que les forces de Freezer. Non, sérieusement, c'est pas des blagues. Bon, je ne sais pas trop s'il reçoit des bonus par planète, mais il peut manger autant qu'il veut et il peut même s'entraîner tant que ça lui chante dans sa propre salle de l'esprit du temps. Et Vegeta n'a même pas besoin de travail, il ne fait que s'entraîner toute la journée, genre toute la journée. Quoi? Mais... Et pourquoi lui, il ne travaille même pas? Il reçoit vraiment ce genre de traitement? Je vais finir par vraiment... être jaloux de ce satan des Vegeta. Donc qu'est-ce que je raconte? Vegeta n'a pas le droit de s'en tirer comme ça. Reconnaissez-vous, ressaisissez-vous les gars. Notre salaire n'a pas d'importance, on fait partie de la plus grande armée du monde. La plus puissante armée. Nous allons le prouver en battant Vegeta dans ce combat. Mais oui les gars. Donc Sangoku les a bien retourné le cerveau en 2-2. Les mecs ils savaient plus quoi dire. Très bien, donc Vegeta, Tenchin Han n'a pas ses parties. On commence avec Ginyu comme d'hab, c'est notre main on va dire. Oula. Oh putain, Vegeta il est chaud hein. On va pas se mytho. Tiens ça dans ta gueule. Putain, ah, il est chiant, il va être chiant Vegeta. Tiens ça dans ta gueule. Aïe aïe aïe, on change. Oh putain, celle qui arrive, à peine arrivée. Tiens ça, champ d'énergie. Oh putain, j'ai raté. C'est bon, Vegeta est mort. Putain, il était chiant. Hein. Tenchin Han, on va voir ce qu'il vaut lui. Allez, celle. Montre que t'es là, frère. Waouh, bien joué ça. Beau combo. Oh putain. Le petit Tenchin Han qui s'avère. Allez, Sangoku, hop, c'est parti. Allez, Tenchin Han, tu vas mourir maintenant, il est temps. Voilà. Hop, le prochain c'est Nappa. Bah, Nappa, tranquille, je crois. Super Kamehameha dans ta gueule. Oh putain, c'était beau. Ta-ta-ta. Oh putain. Putain, il fait mal le mec. Regardez le vide Goku là. Allez, Ginyu, tu vas terminer sa mère la chienne. Ah, ce vieux n'a pas de couilles. Allez, dégage. Bien joué, Ricom. C'est bon, on l'a eu. On les a eu plutôt. Avec la bonne team. On va aller regarder un peu les techniques avant de faire le dernier combat de cette carte. On va voir ce qu'on a comme nouvelle technique, etc. Ça peut être pas mal, tu vois. Ok, donc on va directement venir là. Bam, bam. Tu vois, ça, on est au niveau 2 déjà.
Puissance attaque SP. Ah là là. J'hésite là, j'hésite, je sais pas quoi enlever en fait. J'ai envie de mettre le truc de qui là, de Zeni pardon. On met ça. Allez, on met ça. On met ça, on met ça. Et bam bam bam. Alors est-ce que je vais changer ici? Ouais, ils sont quand même mal en point là les mecs. On va prendre le freezer. On va prendre freezer. Non, Guignou, on va le laisser. On va laisser Guignou. C'est parti, hop. Dernier combat de la map. Pour sauver Bulma. Alors ça sent la petite cinématique maintenant, bien entendu. Comme à chaque fois. Oula. On est arrivé à temps, hein. Bon, il semblerait que la machine est en sécurité au moins. Ouais, j'en ai ras le bol. Ne pas pouvoir détruire ses compagnons non désirés commence vraiment à m'agacer. Ses compagnons non désirés. Qu'est-ce qu'elle a cette Bulma? Elle doit vouloir mourir, j'ai l'impression. Tant qu'elle continue d'être utile, là n'est pas la question. Si je devais hasarder une hypothèse, je dirais que tu mijotes un plan. Et tu auras raison, mais pour mon plan, j'ai besoin d'autre chose que d'un type pour appuyer sans réfléchir sur les boutons. L'avantage, je pense, est que Bulma offre une sorte de soutien technologique à Sangoku et les autres. Ah, je comprends maintenant. Donc c'est après elle que tu en as, ou plus précisément, tu cours après ses talents. Bien, disons que la restauration de mon armée va nécessiter des techniques talentueux, des techniciens talentueux. Mais avant de commencer à recruter, je pense que nous avons un petit problème d'ordure à régler. Très bien, donc on va faire ce dernier petit combat là, normalement ça devrait bien se passer. J'ai même pas vu leur niveau, on va regarder maintenant. 22, 22, 22, non ça va tranquille. Normalement ça doit le faire. Parfait, donc il y a le clone de Sangohan. Ah, c'est quand même une bonne team, hein. Sangohan, Trunks, Goku. Bien joué, Ricom. Oh là là, oh là là, le Ginyu, ma gueule. Le Ginyu de l'enfer, quand même. Hein. Regardez-moi ça, putain. Regardez, regardez, j'ai défoncé Goku en 2-2. Vraiment rien à dire. Alors, Sangohan. Sangohan, c'est déjà un peu plus compliqué. Aïe. Oula, Sangohan, hey, Vector. Oh, je vais te calmer, mon gars. Allez, Freezer, fais quelque chose. Aïe, 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 aïe. Putain, waouh, stylé. Putain, j'étais par terre en plus, hein. Ah, il m'a enchaîné là. Allez, dégage, il reste Trunks. Aïe, putain de merde. Ah, laisse-moi. Oh, oh, oh. Gros. Putain, Trunks, il est. Ah, il est chaud. Les gars, les gars. Ok, je l'ai eu. Ok, je me suis blessé. Ah, il m'a tué quand même, putain. Allez, Cell, montre à Trunks comment ça se passe ici avec nous. Putain, je l'ai touché. Mais pas. Je pense pas que je l'ai eu totalement en fait. Kamehameha. Putain, la voix de Cell, mon gars. C'est bon. Putain, Freezer, encore une fois, il meurt. Hein. Il meurt souvent, hein, cet enculé là. Très bien, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Grosse, grosse cinématique, gros dialogue. Pin, pin, pin. Ah non, il y a une autre musique maintenant. Ok, bah Bulma est sauvée. Phew, quel soulagement, j'ai bien cru que j'allais y passer. Eh, Freezer, Cell? Sangoku, explique-toi, tout de suite. Disons que j'ai pas vraiment tout compris non plus. On dirait presque que Freezer est devenu gentil. Tu as perdu la tête? Il transpire le mal par tous les pores de la peau. Même les pires monstres ressemblent à des enfants de cœur à côté de lui. Alors tais-toi et débarrasse-toi d'eux.
Bilma, la situation est un peu compliquée en ce moment. Assez parlé, tu dois activer la machine tout de suite. Je n'ai ni le temps ni la patience. Arrête de tout répéter pour rien, d'accord? Et du calme, on a nos propres problèmes à régler, je vous signale. Eh ben écoutez, très bien. Donc Bulma va vraiment les aider hein, au final. Hein. Gros bourbier. Ok. Je comprends maintenant. Mais tu es sûr de toi? Ouais, t'inquiète pas, tu n'as qu'à utiliser la machine sur eux. Ensuite, on ira vaincre ces 21. Sangoku, tu n'es pas sérieux. Si. Mais qu'est-ce que t'attends? Dépêche-toi, femme. Gros macho. Hein. Non, mais tu crois que tu me fais peur avec tes menaces? Qu'est-ce que c'était? Nani? Si je meurs, je neutraliserai. Qui neutralisera les ondes, hein? Peut-être que tu veux garder cette âme artificielle jusqu'à la fin de tes jours. C'est ça que tu veux? Bulma, ça sent bien courageuse tout à coup. Vraiment? Je l'ai toujours connue comme ça. Soit j'utilise la machine et vous acceptez de nous aider, soit vous restez dans cet état. Alors, qu'est-ce que tu décides? Très bien, fais comme tu veux, je n'ai ni le temps ni la patience. Le Freezer, il est en manque de patience, le mec. Seigneur Freezer! Pour le moment, ma priorité est de retrouver ma puissance et de vaincre ces vaincus. Rien n'a d'important, je dois éliminer quiconque me barre la route vers la liberté. Tu ne crois pas? Si, bien sûr, comme vous voudrez, Seigneur Freezer. Garde bien ta promesse à l'esprit. Je vais démarrer la machine. Ah. Et voilà, c'est démarré. Attends un petit peu, je ne sens aucune différence. Non, je pense que ça a vraiment marché. Elle a disparu, l'étrange présence a disparu. Il semblerait que ces armes artificielles essayent de prendre le contrôle complet de nos corps. Mais maintenant, elles ont complètement disparu. Donc l'âme à l'intérieur de moi est la seule qui reste. Si c'est une blague, si c'est une blague, c'est pas drôle du tout. Tu ne rends vraiment pas les choses faciles en fait, tu ne fais que les compliquer. En tout cas, j'aimerais te remercier de m'avoir enfin débarrassé de cette pénible présence. Du coup, quand viendra enfin le temps pour moi de te tuer, j'essaierai d'abréger tes souffrances. Quel enfoiré. Quoi, ça a pas marché? Et pourquoi tu lèves la main? Tu ne peux rien me faire, tu sais. Hein? Impossible, je n'ai plus mes pouvoirs. C'est quoi le problème cette fois? Ce n'est pas ce que tu nous avais dit. Quoi? Mais je croyais que la machine leur permettait de combattre. Est-ce que j'ai mal compris? Je t'ai tout expliqué en long et en large, tu n'as rien compris? En d'autres mots, tu nous as dupés. Je ne sais pas de quoi tu parles. As-tu au moins une idée de ce qui se passe? Je n'ai pas menti, regardez, vous êtes libre de vos mouvements, non? Par contre, vous n'avez pas assez de puissance pour vous battre. Explique ce qui s'est passé, j'exige des réponses. Cette machine sert seulement à contenir les ondes. Vous pouvez vous déplacer normalement, mais vous ne pouvez pas vous battre. Ah, ça marche comme ça, oups. C'est un peu compliqué, j'avais pas compris. Putain, quel con ce Sangoku. Vermine, tu vas me le payer. Oh, et il faut réutiliser la machine régulièrement, sans quoi on retourne à la case départ. Vous ne pourriez même plus ouvrir la bouche. Donc bon, malheureusement, il semblerait que pour le moment, j'ai besoin de toi et de cette satanée machine. Tu sais, Bulma, je suis surpris que tu aies eu l'outrecuidance de menacer un être parfait. Putain, j'ai jamais vu ce mot, hein. Outrecuidance. Et dites ce que vous voulez, ça ne changera rien. Donc, est-ce que vous comptez nous aider? Tu crois vraiment que je vais acquiescer d'un signe de la tête et dire oui? Mais qu'est-ce que tu fais? Un lien est rompu. Un lien est rompu? Pense à ce qu'il t'arriva si je n'ai pas la machine, si je n'ai plus la machine. Malheureusement, je dois encore briser ce lien. Par conséquent, tu ne m'aides aucune utilité. Quoi, vraiment? Vous tous, vous méritez tous d'être punis pour m'avoir roulé. Une seconde, ne dis pas ça. Pourquoi ne pas nous aider? Je ne veux pas faire ça. Oh putain, ça va partir en couille, les gars. C'est quoi ça? Tu oses encore t'interposer après ce qui s'est passé la dernière fois? Tu ferais mieux de faire attention si je ne veux pas que je te supprime. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Une seconde, ne me dis pas que l'âme à l'intérieur de Freezer l'a encore empêché de faire le mal. Et ouais, Freezer, t'es dans la merde. Pourquoi tu n'écoutes pas plus attentivement et que tu ne fais pas ce que je te dis? Laisse-moi partir. Quoi qu'il en soit ainsi, mais n'oublie pas à quel point tu as attisé ma colère. Tu le paieras cher quand tout sera fini. Et ouais, petit Freezer, tu dois juste l'enfermer, mon gars, et faire ce qu'il faut. Tu ne sers à rien, tu n'as rien d'autre qu'un misérable asticot. Mais je suppose que je n'ai pas le choix pour l'instant.
qui que tu sois à l'intérieur de moi, écoute-moi bien. C'est à toi qu'il revient de vaincre ces 21, tu comprends? Même si tu as besoin de l'aide de Sangoku et ses alliés. Ok, parfait. Alors, très long dialogue, hein. Putain, j'ai jamais autant lu de ma vie, je pense. Même quand j'étais à l'époque petit et qu'on devait lire des livres pour l'école. J'ai jamais autant lu, je pense, comme ça. Bon, alors, ici, le but est de venir sauver Tenshin Han. Très bien. Yamcha, ici. Ok. Donc, alors, quel chemin va-t-on employer? C'est ça, telle est la question. On va venir là. Alors, est-ce que je peux peut-être modifier l'équipe ici? Faire quelque chose de cool, tu vois. Alors, Freezer, tu vas sauter. Je suis désolé, mais tu vas sauter. Et là, on va mettre un peu son. On va se laisser reposer Ginyu parce qu'ici, il a déjà assez combattu comme ça. On va directement lancer ce combat-là. Donc, on va sauver Tenshin Han, Yamcha. Après, on va passer au dernier combat. Ça me semble pas mal comme. T'en fais pas, je veux faire de ta. Je veux faire de la charpie de tous ces imbéciles. J'apprécie ton enthousiasme, mais veille à ce qu'il ne te fasse pas tuer et te renvoie à ta place en enfer. Qu'est-ce que tu me racontes? Je crois que je vais perdre? D'où te vient cette confiance en toi? Je me le demande. J'aurais pensé que tu n'aurais plutôt aucun aplomb. Tu n'es rien d'autre qu'un guerrier de bas étage. Incapable de te transformer en Super Saiyan, il sera d'autant plus facile de te débarrasser de toi. De bas étage? Comment oses-tu me dire ça? Moi, je suis un guerrier de classe moyenne. Un Super Saiyan est un guerrier légendaire et c'est pas à la portée de n'importe quel Saiyan. Moi, ouais, ce n'est pas entièrement vrai, si. En fait, il semblerait qu'il y ait des soldes en ce moment en ce qui concerne les Super Saiyans. Ferme ta grande bouche, ferme ta grande gueule plutôt. Ces erreurs de la nature ont quelque chose qui ne tourne pas rond en nous. En plus, je n'ai absolument pas besoin de cette stupide transformation. Je suis largement assez fort sans ça. Je vais te faire mordre la poussière aux autres et leur montrer. Je suis le plus fort. Je vois, donc pour ce faire, tu vas pouvoir te débarrasser rapidement de ces minables alors. Et ça va être assez marrant. Tu as tout compris, regarde bien attentivement et tu le verras par toi-même. Tu es incroyablement stupide. Ouais, Nappa. Bon, Nappa, ça reste quand même une petite merde en somme, hein. C'est pas le mec le plus ouf du manga ni du jeu. Mais bon, après, ça reste un personnage utilisable, on va dire. Ok, donc c'est le moment pour Nappa de montrer ce qu'il vaut. On va commencer avec Sangoku, bien entendu. On va charger un peu le ki. Comme ça, on est prêt à placer des combos, des ultimes, des. Tiens, prends ça dans ta gueule. Allez, allez, mon gars. On rigole plus, nous on rigole zéro, hein. On rigole zéro. Aïe. Mais non, Sangoku, putain. Allez, dégage. Le prochain qui est-ce? Ginyu? Ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais switcher. Bim, allez, Nappa. Ça attend maintenant de prouver ta valeur, mon gars, de prouver que t'es pas une merde. Tu vois, Nappa, c'est ça que j'ai. C'est ça que je lui reproche à Nappa. Il a pas de. Il a pas vraiment de truc, tu vois, de. Il n'a pas des bons moves, tu vois. Ça, tu t'es obligé d'être proche de l'ennemi pour le toucher, donc c'est assez chiant. Mais bon, après, à partir du moment où tu le touches, tu le défonces. Mais voilà. Allez, hop. On switch avec Cell. Voilà, on en a fait un chacun. Ça reste équitable comme ça. Oh non, 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 j'ai raté. Kamehameha. Allez, bim, t'es mort. Allez, dégage. Destruction, finition. Non, même pas. Même pas. Ah, j'ai débloqué le Zeni x2 là. Ok, on va le mettre. On va le mettre tout de suite, mon gars. Il me permettra de gagner plus de Zeni. Ce qui est très important, en parlant de Zeni, j'ai fait une vidéo qui explique comment gagner. Enfin, une vidéo très rapide, hein, qui explique comment gagner le maximum de Zeni. Les modes qui nous permettent de gagner le maximum de Zeni. N'hésitez pas à aller la voir. Ça peut vous être utile, ça peut être utile à tout le monde. Donc, alors, ce que je vais faire, voilà. Niveau 2, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Hop, on va changer de personnage, peut-être, non? Alors, on va laisser. On va quand même. Bon, attendez.
Non, on va laisser ça. On va laisser cette team là. On va venir sauver Tenchin Hanno. Allez, c'est parti. Alors, apparemment, il y a encore un putain de dialogue. Tenchin Hanno yo. Dans leur camp. Ah oui, il faisait partie des canailles qui ont essayé d'affronter Monsieur Bordonné. Oui, alors. Eh bien, avec un niveau de puissance comme le sien, ça n'a pas vraiment d'importance s'il nous rejoint pas. Il s'est fait battre à plate couture quand Ginyu a échangé de corps avec Tagoma. Avec Tagoma? À situation désespérante. Réponse désespérée. Ce n'est pas le moment de faire des difficiles. Pouvons-nous en finir? Finissons-en. Finissons-en, Freezer. Comme tu veux. Alors, les mecs... D'un côté, je comprends Freezer. Tenchin Han, c'est quand même une petite merde. Soit dans le jeu ou dans le manga. Pff, ça sert à rien. Ok, on va sauver Tenchin Han maintenant. Telle est notre quête. C'est mon Nindo. Oh mon gars. Putain, j'ai dit que c'était une merde. Et voilà qu'il se rebelle. Hein. Grosse rébellion. Hein. Putain, je l'ai toujours pas touché. Mais ta mère, fils de. Eh, Sangoku, arrête de faire le con maintenant. C'est bon, c'est terminé. Putain, Tenchin. Oh, il va. Putain, mais il me remplit le cul, ce mec. Hein. Aïe, putain. Il a fait mal, hein. Il a fait mal à Sangoku, hein. C'est pas bon, ça. Putain, Nappa qui est venu en mode je vais te défoncer, mon gars. Ah, je l'ai raté. Ah, tiens ça dans ta... Oh putain, ça a rien fait ou quoi? Sérieux? T'es sérieux? Sonnoni Honmoro. Tiens, oh putain. Là je l'ai touché hein, les gars, je l'ai eu. Allez, c'est le dégage. Putain, ils nous ont quand même amoché. Ça devient quand même un peu plus compliqué hein, quand on avance. Au début c'était quand même assez facile. Mais c'est mieux, hein. C'est mieux comme ça. Rassurez-vous, je me plains pas. Pas du tout. Orosu. Bon, celle. Allez, hop. Viens lui montrer comment ça se passe ici. Kamehameha. Allez, dégage. Putain, il est chaud, Trunks là. Il lance des trucs en rafale. Hein. Sonoro. Dégage. Et pour en finir. Sonoro. Oh, oh putain. Quel. C'est. Tu vois, quand tu prends le sel et que tu fais comme ça là. Et ben, c'est comme ça qu'on lui a fait. Tenchin indisponible. Parfait. Putain, tous niveau 21 d'un coup. Si c'est pas beau tout ça. Très bien, donc on va voir ce qui va se passer maintenant. Petite cinématique. Comment pouvez-vous être d'accord avec ça? Vous n'avez pas oublié ce qu'ils ont fait quand même. Écoute, je sais ce que tu ressens, Tenchin Han, mais nous n'avons vraiment pas d'autre choix. Mais c'est Freezer et Cell, comment avez-vous pu faire alliance avec eux? Sérieusement, notre partenariat est assez inattendu. Qui aurait pu prédire que nous serions sur un pied d'égalité? Tu te rassures, toi et moi n'allons certainement pas devenir les meilleurs amis du monde quand tout sera terminé. Je pensais exactement la même chose. Waouh, détends-toi, Tenchin Han. Je sais bien que vous détestez, mais nous avons vraiment besoin de guerriers puissants. J'espère que tu comprends l'importance des enjeux. Alors, puis-je compter sur toi? Je comprends bien, Sangoku. Étant donné la situation, je suppose qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et ce n'est pas en se plaignant que ça va changer quelque chose. Bien, c'est la bonne attitude. Mais je ne tolérerai cette situation que jusqu'à ce que nous trouvions une solution. Ne vous avisez pas de l'oublier. Je ne suis pas non plus enchanté à cette idée, mais je suis plutôt du même avis sur ce point. Alors, il y a quand même un truc que je comprends pas, les gars. Parce que dans le premier arc, on s'allie pas en fait avec les méchants, tu vois. Dans le premier arc, on reste juste entre nous, entre gentils, mais on s'allie pas avec les méchants. Et là, tout à coup,
Parce que cet arc-là, en fait, il est censé se passer, on va dire, en même temps que l'autre. Mais dans l'autre, on s'est pas allié avec des. Enfin, franchement, je sais pas. Je comprends pas. Là, on s'est allié avec les méchants pour niquer ces 21, alors que dans le premier arc, on était juste les gentils, on a quand même niqué ces 21. Enfin, je sais pas, c'est quand même. C'est pour ça que j'ai dit le mode histoire est. C'est tiré par les cheveux, comme on dit. C'est, je sais pas. C'est bizarre, c'est très très bizarre. Des trucs vraiment assez chelous, hein. On va pas se mentir, qu'est-ce que j'ai fait là? Il y a des trucs quand même assez chelous. Alors, Tenchin Han, putain, niveau 10, les gars. Mais mettez pas des mecs niveau 10. Même Krillin, il est plus fort, putain. Tu sais quoi, ces mecs-là, on va pas les utiliser, hein, comme ça, vous savez. On va les utiliser le moins possible. On va venir sauver Tenchin Han, parce que voilà, on est des mecs comme ça, on est des gentils quand même. On va quand même sauver nos potes, mais ça servira, je pense, à rien quand même. Tan tan tan. Tan 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 tan. Là-bas, c'est Yamcha. Sangoku, c'est bien toi? Que font Freezer et Cell ici? Nani? Oh non, ça non. Pour être franc, c'est une longue histoire. Tout ce qui compte, c'est que nous sommes tous alliés maintenant. Mais qu'est-ce que. Mais pourquoi voudrais-tu? Pardon, je suis désolé d'interrompre votre petite réunion, mais nous avons de la visite. Très bien. Désolé, Yamcha, je t'expliquerai plus tard. Nous avons des affaires plus urgentes à régler. Parfait. Ouais, Yamcha, de toute façon, tu vas servir à R, mon gars. Tu vas rester sur le banc. Tu vas être remplaçant comme Jaja. Ok. Oh putain, non, il est chiant ce mec. Il est chiant, Yamcha. Oh putain. Les gars, je déteste me battre contre ce mec. C'est un truc de fou. Au moins que je l'élimine le plus vite possible parce qu'il est très très chiant. Gurdo. Hondolo. Rikom. Tiens ça, mon gars. Allez, Ginyu, t'es vraiment le seul capable de niquer ce mec. Allez, allez, allez. Putain, je l'ai raté. Rikomo. Oh putain, il m'a mis deux caméras d'affilée, mais sérieux. Tu vas te calmer, le petit gars là. Putain, il a explosé Ginyu. Hein. De dingue. Soro, soro. Oh putain, le combo. Oh magnifique. Magnifique les gars, je l'ai défoncé puis en même temps bim direct après le champ d'énergie là. Waouh, bien joué ça putain, on a baisé. Allez, bien joué Rikom. C'est bon, il n'en reste plus qu'un. On va switcher avec Freeze. Sonmara. Honmara. J'ai envie de me transformer en truc là. En Golden Freezer quand même, putain. Ce serait cool. Pour ça, il faut plus de. Il faut plus de ki, il en faut 3, c'est ça. Hein. Hé, la Krillin. Va te calmer. Jure Krillin. Mais Krillin. Oh. Je t'ai jamais connu comme ça, hein, mon petit gars. Il est en plus Golden Freeze. On va le finir maintenant. Et là je me baisse parce que je sais que ça revient. Oh putain, si je crève en Golden Freezer les gars. Voilà là. Mais non. Oh putain, il est tellement stylé les gars. Putain, il est tellement stylé en Golden Freezer. On s'est fait baiser. On a perdu Freezer encore une fois les gars. Je vous dis, il meurt tout le temps ce mec, c'est un truc de fou. Hein. Un truc de fou hein. Oh, oh. Bon, je pense qu'on va terminer l'épisode là quand même parce que on est déjà à 30, 31 minutes là. 32 même. Tintin, tintin, cette musique les gars. Voilà qui résume à peu près tout Yamcha. Donc c'est qu'est-ce que tu en dis? Tu te battras avec nous? J'imagine que tu peux compter sur moi, mais il s'est vraiment passé plein de choses pendant que j'étais inconscient. Hein. Quel est le problème, Freezer? Tu n'as pas d'objection cette fois-ci? Non, il y a quelque chose d'intéressant chez lui, chez celui-ci. C'est ridicule, comment pouvez-vous porter de l'intérêt à un déchet comme lui? Quel enfoiré. Wow, 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 qu'est-ce qu'il t'appelle déchet? Baisse d'un ton, seul le plus faible des faibles pourrait perdre contre quelques Cybermen chétifs. Tu as été battu par les Cybermen, sérieusement?
Tu es sûr de ne pas être un déchet après tout? Attendez une minute, je crois que je comprends pourquoi c'est le seul à ne pas avoir eu la conscience scellée. Que voulez-vous dire? Il est trop faible, ça veut dire que le saut sur sa puissance a dû être incomplet. C'est pathétique, il semblerait que les ondes n'ont qu'un effet, eh bien, limité sur tes maigres forces. Ouais, ça expliquerait tout. Ah non, Son Goku ne me dit pas que tu y crois. Apparemment, il a des bons côtés à être un minable pathétique après tout. Ils peuvent rigoler tant qu'ils veulent, mais je prouverai que je vois plus que ça quand on aura besoin de moi. Putain, ils sont en train de se foutre de la gueule des Yamcha, mais un truc de malade. Hein. Personne ne le respecte, ce mec. Bon, bah voilà, les gars, on va terminer sur ça. Déjà 33 minutes. Donc voilà, on se retrouvera pour le prochain épisode pour niquer le boss de cette carte là. On va voir, il y a qui ici. Ah ouais, Freezer, Nappa, Piccolo, tous niveau 25. Donc voilà, on se retrouvera pour le prochain épisode pour faire ça et pour continuer ce jeu, ce deuxième arc. Donc voilà, en tout cas, merci à tous, c'était Lucas Certé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Et ciao les gens.